Depuis deux mois, le monde entier a les yeux rivés sur la ville d'Arran, suite à l'émergence brutale d'un agent pathogène inconnu à ce jour. On ignore pour l'instant les causes de cette terrible épidémie. Sur place, le ministère de la Défense a érigé un mur dès le début de l'épidémie et placé la zone en quarantaine. Le groupe de ravitaillement et d'entraide largue sur la ville du matériel destiné aux rares survivants. Malgré l'intention affichée du GRE de soutenir la population piégée dans la zone jusqu'à ce qu'un vaccin soit mis au point, le ministère de la Défense a annoncé pour sa part vouloir raser entièrement la ville afin d'éradiquer le virus d'Arran. Mais on s'interroge, y a-t-il encore sur place des survivants non infectés, comme l'affirme le GRE? Le ministère va-t-il bombarder la ville? Le cas échéant, mettra-t-il à exécution son plan consistant à raser la ville afin d'essayer d'éradiquer définitivement le virus d'Arran? Une seule chose est sûre, quelle qu'en soit la cause, virus ou action du ministère, les jours d'Arran sont comptés.